Dis-moi, une question. Pourquoi les moniteurs para, ils chutent mal? Dis-moi. Dis-moi, pourquoi ils chutent mal? Ils sont mauvais en vol relatif. Dis-moi, pourquoi? Parce que les pompes et les tractions, c'est très très lourd. Comment aller? Les pompes et les tractions, c'est très très lourd. Donc ils chutent vraiment très vite. Tu crois? Mais pourtant, ils savent faire des pompes et des tractions, les mais moniteurs, ils, non? Ils tendent les bras et ils rentrent les jambes. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais quelle erreur! Donc en VR, c'est dur. C'est dur. Et le mec en face, il fait une dérive pour les rattraper. Par jour, tu vois? Mais dis-moi, les sélections, elles se font sur les pompes et les tractions, elles se font pas sur le niveau de chute. Non, pour être stable, ils font des 8000 TAP aussi. Ah, il y a du 8000 TAP pour être stable. Attends, il faut que je vois Alex, là. Je regarde la tête qu'il fait Alex. C'est les tractions, le plus important, c'est les tractions. C'est les tractions, oui. Les tractions. Les tractions, d'accord. Et pour chuter plein, et le menton au-dessus. Il y a le 90 mètres porté aussi. Ah oui, voilà, oui. Alors là, le 90 mètres porté. Si on court bien, on chute bien. Ok, bon, mais donc maintenant je sais tout. Ouais. J'ai compris. Merci. Merci Guy. Merci. Allez, bonne soirée. À bientôt.